Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose une petite carte avec un adorable set de tampons, le set de tampons Zanny Zebra. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le catalogue. Ces adorables petits zèbres, ils sont trop choux, quoi. J'ai vraiment craqué dessus. Je vais retourner la caméra puis je vous montre ça. Tac, voilà. Coucou Virginie. Coucou Isabelle. Alors voilà la carte que je vous propose, c'est celle-ci. Donc rien de bien compliqué, juste un peu de travail au niveau des encres pour travailler le fond. Donc pour une fois, il n'y a pas de big shot, c'est vrai, j'avoue, c'est rare que j'utilise pas la big shot. Mais là, du coup, rien qu'avec les tamponnages et l'encre, au final, je trouve que la carte se suffit à elle-même, pas besoin de trop rajouter. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Donc pour celles qui voulaient faire en même temps que moi, du coup, je vous avais proposé de préparer une base qui faisait 21 cm par 14,85 cm, du papier blanc qui faisait 10 cm par 14,35 cm et un autre qui faisait 9,5 par 13,85 cm. Voilà, donc ça va juste être pour pouvoir superposer nos différents papiers. Coucou Florence, ah bah vous êtes plusieurs à arriver, c'est génial. Alors déjà on va préparer la base, donc on va prendre notre papier de 21 cm par 14,85 cm, on va juste venir marquer un pli au milieu, donc à 10,5 cm, pour pouvoir faire la base de notre carte. Voilà, on va plier. Je vais enlever ça. Sur la base, on va venir mettre notre papier blanc. Alors, je laisse la carte à côté, comme ça vous voyez au fur et à mesure. Notre papier blanc qui fait 14,35 par 10. Voilà, donc légèrement plus petit pour laisser un cadre tout autour, hein. Et maintenant que notre base est prête, on va venir travailler sur notre dernier papier blanc. Donc celui qui faisait 9,5 par 13,85, c'est celui qui va nous permettre de travailler du coup toute la carte. D'accord? Alors pour commencer, je vous avais demandé de préparer 3 ou 4 encres selon ce que vous vouliez mettre comme couleur. Moi pour cette carte, sur le fond, je vais travailler avec des encres pastel. Fleur de cerisier, béguin bleu et horizon de bruyère. Ça va me permettre de travailler le fond qui est là. Et les tamponnages, que ce soit aussi bien les feuillages qui sont autour que mes petits zèbres, je les fais en couleur café. Donc pour commencer, d'habitude, on travaille d'abord le fond et après on tamponne nos personnages principaux. Là, on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais commencer par tamponner mes zèbres. Donc je vais venir prendre mes petits zèbres. Tout sympathique. Alors, vous avez vu, du coup, il y a même du coup pour faire les ombres sous les zèbres. C'est super sympa, ça fait vraiment réaliste. Alors, mon bloc là. Donc, mon premier petit zèbre, couleur café. Et le deuxième qui jette un œil en arrière. Ah, c'est flou les filles, c'est bizarre parce que du coup quand je regarde. Ah, alors ma fille, il ne faut pas commenter sous mon compte parce qu'autrement, je ne vais pas savoir quand c'est que je réponds. quand je regarde sur le téléphone, par contre, moi c'est net, donc c'est bizarre que ça soit flou pour vous. Est-ce que c'est juste par moment, du coup, selon quand j'approche ou quand je recule, c'est possible le temps que la netteté se fasse. Mais normalement, quand je reste sur le fond, c'est censé rester net. Voilà, donc les petits zèbres. Je vais venir rajouter une petite ombre que j'ai là sous mon petit zèbre qui court. Tac, voilà. Ça fait tout de suite plus sympa.
Et avant de faire le reste, donc couleur café, là, cette fois, on va commencer à travailler notre fond avec nos différentes encres. Donc on va prendre, pour que ça soit plus simple, éviter les bêtises, une éponge pour chaque encre. Je vais ranger celle-ci. Bonjour Françoise. Pas de souci, tu regarderas quand tu pourras. C'est les vacances, il y a le temps pour tout. Voilà. Alors, c'est les trois encres que je vais utiliser. Donc, on va commencer par Horizon de Bruyère. J'enlève un petit peu là, comme ça vous voyez en même temps les encres que j'utilise. Donc, Horizon de Bruyère. Par contre, pour éviter que ça vous fasse des grosses taches en plein milieu, commencez toujours par enlever le surplus sur un papier de brouillon à côté. Et après, du coup, vous venez passer gentiment à certains endroits sur votre carte. Alors moi, je voulais exprès du coup que ça fasse quand même léger. Donc j'enlève vraiment beaucoup, quitte à repasser par-dessus. Et je vais en mettre autour de mes zèbres. Donc simplement pour que ça reste, ah, ça fait un peu plus foncé sur l'écran qu'en réalité. Bon, comme ça vous voyez mieux. Je vais venir mettre un peu de bleu, donc le béguin bleu. Donc pareil, on prend, on enlève le surplus et on vient mettre un peu de couleur sur notre fond. Alors pour éviter que ça fasse trop d'écart entre les couleurs, je viens mettre où c'est blanc, mais je repasse aussi sur la première couleur que j'ai mise en même temps. Pour que ça me mélange un peu les couleurs. Que ça fasse pas trop de différence entre. Que ça fasse un peu plus uniforme. Donc j'en passe autour de mes zèbres. Donc pas obligé que ça soit trop foncé. Hein. Je vous assure que du coup c'est bizarre parce que quand je regarde sur le téléphone, ça fait vachement plus foncé, alors qu'en vrai c'est vraiment vraiment très clair, comme sur la première carte. Ouais, bon, pas grave. Et la dernière couleur pour mettre un peu plus d'éclat, donc c'est fleur de cerisier. Pareil, on prend, on enlève le surplus et on vient passer sur le reste de la carte pour compléter les blancs. Et ça va vous faire du coup un fond de différentes couleurs tout en étant uniforme parce que du coup vous allez mélanger les couleurs. Vous n'hésitez pas à repasser sur les autres pour que du coup ça vous fasse bien un fondu de couleur. Donc autour de mes zèbres, ça vous fait un peu nuageux, un peu dégradé et ça vous laisse les zèbres en valeur parce que du coup ils ressortent blancs par rapport aux encres que vous avez mis tout autour. Ouais, pas trop compliqué, du coup juste en mettant un peu de couleur avec des encres. Alors pastel, je pense que à la rigueur c'est ça rend mieux parce que ça fait plus doux, mais après rien ne vous empêche d'essayer des couleurs un peu plus flash, un peu plus fortes pour voir ce que ça pourrait donner. Vos zèbres ressortiront encore mieux, la carte sera aura peut-être un peu plus de peps. Moi je restais dans la douceur de la carte, mais après ça dépend du coup pour quelle occasion vous voulez l'offrir ou pour quelle occasion vous la faites. Voilà, donc là du coup on a déjà le fond de la carte, donc maintenant je vais venir travailler aussi le tour. Et pour faire les branches et puis le fond, j'ai utilisé un autre set de tampons, c'est Espoir et Réconfort. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué celui-là, donc vous avez, alors, déjà vous avez les messages en français si jamais vous voulez l'utiliser. Je fais des bêtises là. Donc vous avez de quoi travailler les fonds, donc super, ce quadrillage vraiment super.
Vous avez les branches là. Là, je vais utiliser même aussi c'est des petits sequins. Je ne sais pas si je vous montre. Ouais, mais vous me dites que c'est flou quand j'approche. Mais j'essaie de vous montrer quand même. Vous avez les grands là, puis là, des petits. Du coup, que je suis venue mettre là, du coup, en couleur aussi. Donc voilà, c'est le set que j'ai utilisé aussi avec le Zany Zebra. C'est les deux sets que j'ai utilisés, que je trouve vraiment très chouette. Donc là, je suis venue prendre les branches, les petits sequins, mon quadrillage. Et sur le set de tampons Zany Zebra, donc j'avais pris le petit Z qui se retourne, celui qui court, l'ombre. Et j'en ai rajouté les petites étoiles qui sont là. Comme ça, ça va me permettre du coup de mettre de la déco sur le fond de ma carte. Alors, par contre, là, j'ai pris une autre encre, histoire de faire un peu moins foncé. C'est Brune Dune, pour pouvoir faire mon quadrillage. Je vais reculer les autres encres. Tac, tac, tac. Donc, les trois encres que je vous avais proposées, c'était pour faire le fond. Après, du coup, c'est vrai que les autres encres, vous utilisez bien ce que vous voulez. Vous pouvez reprendre couleur café aussi pour faire un peu plus foncé. Hein. C'est un choix. Donc là, je vais venir faire mon quadrillage. Alors, du coup, vous pouvez tamponner directement ou pareil. Du coup, si vous voulez faire des effets un peu plus soft, tamponner une première fois en brouillon et venir, du coup, tamponner une deuxième fois sur votre carte. Du coup, ça fera un effet un peu moins foncé et ça vous fera différentes couleurs. Voilà. Donc mon quadrillage tout autour. Je vais venir rajouter donc mes petites branches couleur café pour qu'elles ressortent comme mes petits zèbres sur le même principe. C'est juste le quadrillage que du coup j'ai fait un peu plus clair. Donc mes branchages, je vais les faire sur la partie du haut et sur le côté. Donc en tamponnage partiel, hein, je ne vais pas tamponner toutes les branches. Donc je vais faire dépasser du coup sur mon papier de brouillon pour venir prendre juste le bas des branches. Vous les avez utilisés déjà ces sets de tampons. Vous les avez vus dans le catalogue, ces petits zèbres et puis ce tampon qui nous permet de travailler les fonds aussi, espoir et réconfort. Voilà. Ça commence déjà à prendre forme. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? C'est sympa? Et rien de bien compliqué, hein. On est toujours dans le simple. Juste tamponner, travailler les encres. Rien de bien compliqué. Maintenant, on va venir rajouter nos petites étoiles. Donc pareil, couleur café que j'aimerais coloriser aussi avec les feutres après pour mettre un peu de couleur. Donc j'ai rajouté des petites étoiles. Hop. Ah non, c'est pas la bonne. Ça c'est Brune Dune, je voulais couleur café. J'ai pas pris la bonne. Tac. Donc elles ressortent aussi mes petites étoiles. Et mes petits sequins, je vais les mettre directement en couleur. Et il y a une des couleurs que je trouve vraiment chouette dans les nouvelles Incolor qui est sortie, c'est Magenta en folie. Je la trouve pleine de pets, je vais vite la chercher, je vais oublier. Ça y est, c'est celle-ci. C'est un super rose, quoi. Je ne sais pas si vous l'utilisez régulièrement, mais franchement... C'est un des roses qui ressort super bien. Donc, hop. Des petits sequins pour ajouter un peu de couleur. Pour mettre un peu de peps sur la page, sur la carte, pardon. Parce que j'ai fait une page de scrap hier, alors du coup j'étais toujours dans les pages. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on est revenu à la carterie.
Tac. Voilà. Maintenant, on va leur mettre un peu de couleur sur, sur ces petites étoiles. Alors, pour ça, j'ai pris les couleurs, les nouvelles Incolor 2020-2022. Hop. Donc, je vais venir mettre un peu de couleur dans mes étoiles. Alors, pas forcément les mêmes à chaque fois, hein. Donc j'ai repris le magenta en folie pour rappeler mes sequins. Je vais mettre un peu de jaune pour égayer tout ça aussi. C'est le cidre à la cannelle, hein, le jaune. Je vous rappelle juste le nom des couleurs. C'est assez comique les couleurs. Moi j'aime bien les noms des couleurs Stampin' Up. Je sais pas où ils vont les chercher, mais je trouve assez sympa. Et celle-ci, c'est le Juste Jade. Le Juste Jade, je pense que vous l'avez déjà remarqué avec la collection Feuillage Infini. C'est un vert juste magnifique aussi. Ils ont fait fort cette année dans les Incolor. Franchement, les couleurs, je les trouve sublimes. Voilà, donc là, on a mis un peu de couleur dans nos étoiles. Il nous reste à travailler le fond sur le contour. Donc, avec le brune dune que j'ai utilisé pour faire mon quadrillage, une petite éponge. Et, oula, ça me glisse des mains. Et je vais venir frotter tout autour de ma carte. Pour encadrer en fait ma carte. Je ne voulais pas faire couleur café parce que ça va être trop fort et on ne verra plus le feuillage tout autour. Par contre du coup, un ton en dessous, donc avec le brune dune, ça nous permet d'encadrer la carte. Faire un rappel de couleur par rapport à notre quadrillage. Tout en mettant du coup en avant le reste de la déco de la carte. Donc un peu plus dans les angles, un peu plus foncé. Donc juste en grattant le long de la carte, ça vous fait le contour et ça rend super sympa. Là, il y en a qui font la carte en même temps que moi ou pas, du coup, parce que je sais même pas, vous m'avez pas dit. Je vous avais mis pour une fois la base qu'il fallait, mais du coup, je sais même pas si y en a qui se sont lancés, qui avaient déjà les sets de tampons pour pouvoir faire, ou même à la rigueur avec d'autres sets de tampons, mais juste en mettant les fonds. Alors maintenant on va venir coller du coup notre carte sur le papier qu'on vient de travailler sur la base de notre carte. Donc c'est pour ça qu'on avait mis un autre papier blanc avant, parce que vu qu'on a travaillé tout le contour de la carte, comme ça nous permet de faire ressortir. Parce qu'on avait pris une base couleur café, on a travaillé avec le brune dune et le couleur café, donc le blanc casse un peu et permet de faire ressortir la carte. Donc on va venir coller ça sur notre base. Voilà, et bien sûr sur une carte on rajoute toujours un petit message. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme petit message? J'ai pas mon set de tampons à mourir à n'en plus finir qui était avec les feuillages. Ah ben, je vais prendre un message qui est dans le set espoir et réconfort. Je t'envoie un câlin en papier. C'est pile les messages qui vont tip top en ce moment, vu que du coup on est censé toujours garder nos distanciations avec le Covid. Non, c'est pas celui-là. Donc du coup, une petite carte pour un câlin en papier, c'est tip top. Là. Alors, du papier là, une chute de papier pour tamponner mon message.
Je vais venir couper mon message avec la coupe papier. Alors pour pouvoir, du coup, je vous montre quand même sur la carte le message que j'ai fait là. Et j'ai utilisé la nouvelle perforatrice qu'on a là. J'ai perdu le nom. C'est quoi le nom de cette perforatrice? Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas. Charmante amie. Voilà, je ne trouvais plus. Une perforatrice qui vous permet de faire des étiquettes. Du coup, vous avez quand même deux styles différents. Et au total, 6 dimensions. Donc 3 pour chaque. Donc quand même super sympa. Et du coup, ça vous permet de faire des étiquettes qui font 1,3 cm de large pour le plus petit, 1,9 pour le moyen et 2,5 pour le plus grand. Donc ça reste quand même des tailles assez standards. Donc là, du coup, pour mon étiquette, je vais me mettre à 1,9. Comme ça me permettra de faire le contour avec la perfo. Tac. Je vais raccourcir un peu. Je vais enlever ça. Voilà, et je vais venir. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre l'arrondi, c'est plus sympa l'arrondi. Hop. Tac. Vous voyez, du coup, ça s'enfile juste au centre. Voilà, donc 1,9, je vous ai dit, c'était la taille moyenne. Hein. Vous avez juste à le faire glisser au centre. Tac. Voilà. Ah, un peu trop loin là, je vais raccourcir un peu ce côté. Là. Et mon étiquette, je vais aussi marquer la bordure à l'encre et à l'éponge. Couleur café cette fois pour la faire ressortir un peu plus. Je remets la carte. Donc j'avais pris brune d'une pour faire le tour de la carte. Par contre l'étiquette, je vais venir mettre en couleur café pour la mettre en relief. Là, voilà. Et je vais la mettre en 3D. Alors, mes pastilles là. Où est-ce que je mets mon étiquette? Elle est plus courte que l'autre, alors je sais pas trop. Où est-ce que je peux la mettre? Si, je vais la laisser quand même en bas. Un peu plus décalée. Allez. Je vais la faire dépasser de ma carte sur le côté. Non. Si, je vais la faire décaler comme ça. Et je vais la mettre sous mon zèbre comme j'avais fait tout à l'heure. Tac. Là. Et voilà une nouvelle petite carte avec d'adorables petits zèbres. Et je suis sûre que du coup, celle qui va le recevoir sera ravie d'avoir ces petits zèbres pour lui faire un câlin.